Anecdote, je la garderai pour une prochaine vidéo. En intervention, j'ai pour habitude de faire la chasse aux mauvaises postures, ou ce qu'on a plutôt tendance à appeler les postures qui sont délétères pour la santé. Alors surtout pas, c'est une erreur assez fréquente, mais un ballon ne peut pas servir d'assise prolongée. À terme, cela risque d'engendrer de nouvelles zones de tension musculaire et ou articulaire, voire de créer des situations d'accident du travail. Le Swiss ball, ou aussi appelé gym ball, a été à l'origine conçu pour des besoins de rééducation. Il permet de proposer une assise dynamique qui va solliciter des zones musculaires et articulaires différentes de celles qui sont sursollicitées par les postures statiques des fauteuils classiques ou traditionnels. Ce que je recommanderais, par conséquent, c'est d'alterner surtout les postures autant que possible toutes les 45 minutes, 1 heure. Et de faire régulièrement des pauses. Donc, pour l'utilisation d'un Swiss ball, je recommande de le faire de manière complémentaire et surtout de manière ponctuelle. Pour finir, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour consulter l'ensemble de nos contenus et n'hésitez surtout pas à partager ou à commenter cette vidéo.